Rasoul Daoud, grand maître des loges Shriners. Ce qui va suivre est une invocation, une danse pour invoquer les dieux égyptiens, en mémoire de Pharaon et de ses prêtres magiciens et d'Isiris, astre, étoile, Sirius, Égypte. Un bal déguisé Isis et une reine mythique, une déesse funéraire de l'Égypte antique, le culte d'Isis d'Héléniste, et par rapprochement avec la quête de Perséphone par Déméter, mystère de l'Éleusis se créant. Les mystères d'Isis organisés sous la forme d'une cérémonie initiatique progressive et secrète. La source de Wikipédia. Une cérémonie qui honore les pratiques de Pharaon déguisé en bal de charité. La vidéo qui va suivre un regroupement de nobles musulmans et de maçons des 33e degré Shriners. Ceci est le bal de l'année, 56e bal de charité annuel honorant illustre potentat maître tissant Rasoul Daoud, 33e degré Shriners. Dans la vidéo qui va suivre, les sceptres rois donnaient au pharaon la puissance et le pouvoir des dieux, dont la prospérité. Vous remarquerez les sceptres que tiennent les Shriners dans leurs mains durant la cérémonie. Ils ont reçu le pouvoir mystique, eux aussi, de ces dieux, anges déchus dont ils honorent en élevant Pharaon et les cultes d'Égypte. Les hiéroglyphes et les figures. Hiéroglyphes du sanctuaire d'Égypte. Figure, Thoth assis suivi de deux divinités, debout il serait, ou Hestia avec le sceptre. Le roi, la reine et trois divinités, c'est la scène de la dédicace du temple. À gauche, Evergette, deux coiffés de la couronne blanche, la main droite tenue vers les dieux, paume en l'air, tient le sceptre. Le bâton et la masse dont sont munis les rois lorsqu'ils accomplissent le rite de fondation le rite d'Égypte. Ci-dessous, la fresque d'Égypte, du temple. Toujours dans la même scène qui va suivre avec le sceptre, le roi représente dans une attitude imitant celle du dieu devant lui, offrant ce qui peut être un litu Amin ou Amon Itapelik. Derrière ce dernier se tient une déesse Isis ou Hathor, un dieu enfant Harpocrate. Thank you.
qui va suivre, nous verrons l'ordre des Schreiners, qui est impliqué dans les 33e et 32e degrés de franc-maçonnerie, qui pratique l'occultisme d'Égypte, des rites égyptiens que nous avons vus dans la vidéo précédente. Les dieux d'Égypte et la franc-maçonnerie sont liés tous deux. Alors la vidéo qui va suivre, verrons Bob Rosdell du groupe Hospitalier Schreiners qui admet clairement qu'ils adorent Satan et louent Satan, Lucifer. Nous verrons aussi les temples qui sont liés à tous leurs cultes et leurs abominations, jadis venant d'Égypte. Nous exposerons par la suite avec divers documents qui sont très importants, tirés de la franc-maçonnerie, les rites cachés de l'Égypte et liés aux Schreiners. Lucifer, what is your problem? Just that, sir. Okay. I'm a Christian, sir. I'm pure and virtuous and wholesome and innocent. How can you say anything about me? Sir, you need to be born again. Am born again. Is that, now, did you just say that you are Lucifer? I am Lucifer. Okay, define Lucifer for me. Pure, virtuous, wholesome, innocent individual that's out to help people. Lucifer is? Yeah. Say that again. Lucifer is a pure, holy... Virtuous. Virtuous. Now, is he the Lucifer that God created? That's the same one. Oh, man, this is great. I'm going to put this on the internet. Oh, amen. God bless you, amen. Brother. Because that's exactly what the Shriners and Masons teach, is that Lucifer is light. No. And you're, hey, what you're about confirming those hospitals? It. You know what, sir? Jesus said, many will say to me on that day, Lord, Lord, did not we do these good deeds in your name? And you'll say, away from me, you workers of iniquity. I never knew you. Jesus said it? In Matthew chapter 5. Mercy. No. That's hard to believe. So you're a Christian and you don't know that? Actually. No, I really am. You are. Because I'm pure and virtuous. You're pure and virtuous, okay. Yeah. Mm-hmm. In other words, you're perfect without Jesus, right? No. Okay, tell me about Jesus. Who is Jesus? Oh. Well, he's my leader. Is he the Son of God? Yes, he is. Is he the only worshipful master? Yes. Have you ever been called worshipful master? No, because I've just been too busy. I've been working. Working. Been working to help people. What like kind you. Of work? Okay. Get out of here. See, this is what a Mason confesses, is that Lucifer is light. Cela m'a été pratiqué dans l'édite secrète appelée supérieure maçonnerie Schreiners, qui est un petit degré de sa connaissance de l'islam. Enseigné dans l'édite secrète par sa société, cette société. Cependant, le véritable secret de la franc-maçonnerie est qu'il n'y a pas de secret. Il y a toi. Les enfants de la lumière, franc-maçon, et toute personne qui est prêt à prendre le temps de enquêter sur ce sujet pour avoir une bonne connaissance de l'ordre du premier degré, apprenti. À la 3e, 33e, souverain grand inspecteur général du rite écossais, ancien, et accepté de la franc-maçonnerie. Et où le chevalier des temples de Yorkshire, Mohamed a déclaré, je ne vais pas entrer dans l'histoire de la franc-maçonnerie depuis que je suis un maçon. Moi, une fois, je me suis juré, aussi je ne pas révéler les secrets maçons qui ont atteint ces degrés comme 33e et 33e. Ils ne sont pas appelés maçons, ils sont appelés musulmans Schreiners. Lorsque vous prenez le 33e degré, on vous apprend à se saluer. Assalamu alaikum. On vous enseigne l'islam à partir de là parce que vous avez devenu un musulman lorsque ce degré est conféré à vous au moins. Vous êtes censé être un croyant dans l'islam. Il vous enseigne presque dès le début pour mettre votre visage à l'est. Et Elijah Mohamed dit a déclaré, seul dans les francs-maçonneries supérieures et un peu l'enseignement en haut, la plupart du temps de cet ordre qui mentionne les enseignements de Dieu Tout-Puissant Allah, mais vous devez payer beaucoup d'argent pour devenir un diplôme 33e maçon. Un maçon ne peut pas être un bon maçon à moins qu'il ne connaît le Saint-Coran et suivre ses enseignements. Mohamed déclare, en outre, vous ne devez rejoindre la maçonnerie d'être musulman. Il est libre et pourquoi vous achetez cela ou dépensez de l'argent pour ce qui amène vous avez gagné. Peu importe à quelle hauteur vous allez dans la maçonnerie, vous êtes toujours un nègre. Et vous n'êtes pas traité comme égal au maçon blanc.
Dans la vidéo qui va suivre, nous verrons un temple Shriners qui a été établi, dont plusieurs en Amérique ainsi qu'en Arabie, figuratif de l'islam et du nouvel mouvement de l'Égypte. Yes, but it was a gift. That is really big. How old could be? How old would that be? Yes. A lot older than I am. Really? And I'm 75. Wow. All right. I like it. Fred, how old would that fist be? Probably one of the earliest ones. Yeah. Friend of mine. From San Francisco. There's nothing on the inside. Alors voilà, bienvenue à tous et à toutes. Vous avez vu les petites vidéos donc, qui illustraient donc, la secte franc-maçonnique, à savoir les Shriners. Et nous allons regarder donc l'origine des Shriners, d'où est sorti donc les Shriners. Ici vous voyez des loges franc-maçonniques, la plupart donc ici... dont une que j'ai énuméré plusieurs dans ma dernière vidéo, en ce qui concerne la franc-maçonnerie, où j'ai dénoncé les rites mystiques et diaboliques et ésotériques, magiques, qu'il y avait dedans, avec donc les prêtres d'Égypte. Même dans les vidéos, vous l'avez très clairement vu, hein, c'était des rituels donc, qui étaient donc intronisés dans les balles de charité, etc. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a vraiment l'Égypte, ce qui était enseigné dans l'Égypte. Et donc. Ce n'est pas étonnant vu que les Shriners font partie de l'Arabie, donc c'est de là qu'est beaucoup concentrée la magie aussi hein, en Arabie, et c'est réellement ce que nous allons voir ensemble, l'origine même de tout ça. Donc je me dois une fois de plus de dénoncer, voilà, comme personne ne le fait, je me dois de le faire, donc ayant reçu des révélations et ayant fait des recherches approfondies, donc voilà, nous allons regarder un livre qui est très intéressant, qui nous, je dirais, nous dévoile une grande partie des origines des Shriners. Alors, je lis le livre The Secret Ritual, Noble of the Mystic Shrine. Donc là, on voit le mystère, le secret en fait, d'où sort cette secte franc-maçonnique, hein, qui est tirée donc d'Arabie. Et vous allez être, je dirais, plutôt étonné. Mais avant cela, vraiment, nous allons prendre donc la première page. Chapitre, une initiation. Encore une fois, ce qui est très très intéressante aussi, qui nous révèle une partie donc de l'initiation. Voilà la page du chapitre 1. Voilà le chapitre 1 que nous allons lire ensemble. Donc ici c'est la traduction en américain que je vais donc traduire en français. Alors, l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique était institué par un musulman. Allé calife, son nom soit béni, le gendre du prophète Mahomet, dans l'année de l'Hégire 25 AD 656 à la Mecque en Arabie. Donc ici nous découvrons que à la base, l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique, c'était voilà, une organisation, un ordre qui avait été créé par donc le calife lui-même en personne, Abul al-Hassan al-Ibn Abi Talib. Donc, lui-même en personne, hein, souvent désigné son nom simplement par son prénom Ali, donc, et fils Abu Talib, donc, oncle du prophète de l'islam Mahomet, qui l'a élevé et protégé comme son propre fils après la mort de son grand-père, Abd al-Muttalib. Donc, Ali est né vers 600 à la Mecque, actuelle en Arabie Saoudite,
une dizaine d'années avant le début de la mission prophétique de Mahomet, donc. Et il a été à la fois le protégé, le cousin, le disciple et le gendre de Mahomet en épousant sa fille Fatima, née de sa première épouse Khadija en 622. Donc nous découvrons ici qu'à la base, l'ordre, je dis bien au début, avant que soit instituée la franc-maçonnerie, au début il y avait un ordre dans l'islam qui s'appelait donc, voilà, ici nous l'avons très clairement lu, l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique. Donc, et ces anciens se réunissaient ensemble, hein, voilà, et donc ils faisaient des pratiques en islam, donc il y avait beaucoup de mélange, à savoir aussi que ici, Ali était donc, comme nous l'avons très très bien lu, ici, voilà, réellement le disciple et le gendre de Mahomet, donc. Et nous voyons très clairement que tout est commencé à ce moment-là. Selon les sources chiites, Ali est né à l'intérieur de la Kaaba, à la Mecque, où il est resté avec sa mère pendant 3 jours. Selon une tradition, Mahomet est la première personne qui a vu Ali. Mahomet a pris le nouveau-né dans ses mains et l'a nommé Ali, ce qui signifie celui exalté. Donc, Ali fait partie de Ahlul Bayt, la famille du prophète qui tient donc une place de haut rang dans l'islam. Et c'est normal puisqu'ils étaient nobles. Donc, automatiquement, il était le 4e calife de l'islam entre 656, comme nous l'avons lu, et 661. Ali a été le premier imam pour les chiites et l'ascendant du reste des imams. Il fut le père de Al-Hassan et de Al-Hussein. Voilà. Donc, son nom signifie élevé en Afrique subsaharienne. On trouvait ce prénom sous la forme de Alioun, Aliou ou Agali. Voilà. Donc, nous découvrons ici qu'à la base, l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire, bien évidemment, était des califes. Donc Ali, donc, qui est le fondateur de cet ordre-là. Hein. Et donc par la suite, il y a eu des francs-maçons qui sont venus en Arabie. Donc W.F. Florence, 33e degré, de la ville de New York, par la suite, plus tard. Donc je vous montre une photo de cet homme, voilà, qui est venu, hein. Voilà, donc cet homme-là est venu, hein, et lors d'une visite en Arabie, a été initié dans un temple, justement, du sanctuaire mystique, dans ce pays. Et le travail secret de l'ordonnance a été intenté par lui aux États-Unis en l'an 1671, et placé dans les mains du docteur Walter M. Fleming, 33e degré, que vous voyez ici. Voilà, et souverain grand inspecteur général du rite écossais, ancien et éminent commandant de la commanderie de la Colombie numéro 1, des chevaliers et des templiers de New York. Donc, docteur Fleming, bien sûr, comme je l'ai dit, à conjonction avec J. Florence, 33e degré, William Eddy, 33e degré, Campbell, 33e degré, Oming Oswald Merle, 33e degré, Jimmy Miller, 33e degré, etc. Donc tous les hommes, tous les collabos, là, les francs-maçons qui étaient là, hein, du noble, hein, voilà, City Noble, donc de New York, a été choisi à l'unanimité en tant que son président, c'est-à-dire illustre grand potentat, en raison de la mort de 4 de l'art original. Donc tous ces rites, donc, lorsque le travail a été relancé, à l'ordre se propage donc, du temple de la Mecque sans tous les pays. C'est-à-dire que la France, l'Europe, après ça s'est propagé. Mais au début, c'était concentré en Amérique. Parce que cet homme-là, hein, W.R. Florence, est venu et a apporté donc, voilà, hein, il a apporté donc ce savoir de l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique. Il l'a apporté, hein, et il l'a enseigné et il a ouvert, hein, voilà. Et donc, l'origine même de cette secte franc-maçonnique est d'Arabie, du calife Ali. Voilà, donc je tiens à le dire pour cette vérité, hein. Voilà le symbole, hein, voilà, donc, de cette organisation, hein, de l'ordre des Shriners, l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique qui est d'Arabie et du calife, donc, qui est venu et qui s'est propagé,
hein, parce qu'il a fait alliance avec ces francs-maçons-là. Le calife Ali, qui était donc un noble musulman d'islam, a fait alliance là, avec, par la suite, de ses ancêtres, ont fait alliance avec donc, ces francs-maçons qui ont ouvert des loges et qui ont créé le noble, donc l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique, qui a été institué par un musulman. Voilà, donc c'est très clair, on ne peut pas mieux faire que ça, je pense. D'ailleurs, on voit Obama qui est aussi dans ces rites, hein, puisqu'il participe pleinement, on le voit sur cette photo. Et vous, si vous faisiez vos recherches sur Internet, voilà. Hein, et là, ce sont les personnes, les collabos, hein, bien sûr, avec leur fez du sanctuaire du noble mystique. Voilà, donc qui ont tous leur fez là. Hein. On voit ici les personnes un petit peu que j'ai émunérées aussi, pour certains, voilà. Donc, c'est une réalité. Et donc, je disais, vous voyez bien la descendance ici directe de Mahomet, donc du calife, donc je vous ai parlé, hein, voilà. En ce qui concerne Ali, Abu al-Hassan, Ali ibn Abi Talib, donc le 600, hein, donc voilà, l'oncle voilà, hein, donc, du prophète et d'Islam Mahomet, qui l'a élevé et protégé comme son propre fils après la mort de son grand-père, Abdallah Mu'tal-Bib Ali, est né vers 600 à la Mecque. Donc, et une dizaine d'années avant le début de la mission prophétique de Mahomet, il a été à la fois le protégé, le cousin, le disciple du gendre Mahomet en épousant sa fille Fatima. Donc Ali était un rapproché de Mahomet, donc en ce qui concerne la descendance directe, vous le voyez ici sur ce schéma, hein, je ne suis pas en train de mentir. Voilà, je me pousse un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, donc, et donc l'ordre même du sanctuaire mystique descend, donc selon le livre ici qui est tiré de la franc-maçonnerie et qui est des sources sûres, il descend donc d'Arabie, donc du calife direct Ali. Voilà, donc là c'était le premier chapitre seulement, nous commençons seulement le premier chapitre. Et nous allons poursuivre donc dans ce chapitre qui est vraiment passionnant. Hein. Donc voilà, donc nous allons poursuivre. L'ordre de l'arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique a été institué par un musulman, Ali Calife. Donc le calife, bien sûr, voilà, le gendre du prophète Mahomet, dans l'Hégire, voilà, 25. Voilà, donc nous avons lu que, bien sûr, il y a eu plusieurs collabos, comme je les ai montrés, bien sûr. Et la page 9... hein, nous montre que dans ce sanctuaire, les personnes sont amenées à être initiées. Donc vous avez le premier chapitre, c'est ça justement, hein, l'initiation. L'initiation, c'est quoi? L'initiation, c'est que vous devez entrer dans l'ordre, mais selon des rituels bien précis. Et il faut avoir automatiquement le 32e degré et le 33e degré de la franc-maçonnerie pour y entrer. Selon les récits, donc, de ce livre. Et nous voyons que très clairement, les personnes sont obligées de passer par des rapports sexuels, par beaucoup de choses abominables et impures, hein, de la sorcellerie, de la magie. Il faut avoir une certaine connaissance déjà. Donc c'est une abomination. Repentez-vous. Hein. Christ vous aime, Christ sauve. Christ sauve. Il n'y a de salut en aucun autre. Il est écrit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Christ pour être crucifié pour vos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Vraiment, c'est une réalité. Christ vous aime. Vous qui écoutez ce message, peut-être vous êtes dans cet ordre mystique-là, diabolique et magique. Hein. Et Dieu vous aime. Dieu veut réellement que vous vous repentez. Et vous aussi qui écoutez ce message, peut-être que vous connaissez le Christ. Et je vous invite réellement à vous repentir. Alors, l'ordre des Shriners est partout dans le monde maintenant, aujourd'hui. En Amérique, en Europe, aux États-Unis, réellement partout dans le monde. Et c'est ce que nous allons lire aussi. Mais là, nous allons voir dans la page 9, donc toujours du premier chapitre, que les rites initiatiques sont aussi sexuels. Alors, avant l'intronisation du potent élu, le conseil impérial exige son assentiment aux ordonnances suivantes, à savoir, la première chose, avez-vous seulement prêté serment sur votre honneur ? Parole que vous exercerez vos efforts pour pouvoir le vrai bonheur de votre frère noble au sanctuaire mystique. 2. Que vous vous efforcez à promouvoir le bien général de l'ordre et de persévérer la solennité de nos cérémonies avec respect et profond respect. Voilà.
Le 3 dit que vous ne serez pas reconnu ou impliqué à avoir des rapports sexuels avec un temple qui ne fonctionne pas sous l'autorité constitutionnelle telle que reconnue par le Grand Conseil impérial. Ça implique que les gens ont obligé d'avoir des rapports sexuels dans ces temples pour pouvoir entrer dans l'initiation. C'est une abomination. C'est une abomination et je dénonce cela. Donc vous qui êtes dans ces sectes, vraiment sortez de ces sectes. Sortez de ces sectes. Donc, et dans le 4, il écrit que vous allez toujours maintenir et soutenir l'autorité du Grand Conseil impérial des États-Unis et de se faire respecter l'obéissance de ses lois, décréter des règlements. Vous allez soumettre ces ordonnances à la promesse d'observer et de les pratiquer fidèlement, dit le volet 5. Donc, nous avons vu ici donc une partie importante des rituels, voilà, et en ce qui concerne l'initiation. Ici, c'est l'initiation. Donc, c'est une abomination. Et je dénonce cela, hein, je dénonce ces sorciers-là qui se déguisent dans des ordres, hein, et avec l'Arabie derrière, avec la religiosité. Hein, nous avons vu ici que le descendant voilà, du calife, des musulmans, hein, voilà, de l'islam, donc a ouvert cet ordre et par la suite, ces descendants ont propagé au travers de la secte franc-maçonnique des Shriners, voilà, qui est tout simplement une collaboration. Donc voilà, ce sont des collabos qui sont là, ce sont des collabos, voilà. Donc je viens vous avertir, nous avons vu les vidéos précédemment, comme quoi ces gens-là, de ces sectes franc-maçonniques, adoraient Satan, hein, et c'est terrible. Vraiment, ils ont des rituels étranges, hein, sous une œuvre de charité bidon, avec, on voit bien sûr, à l'avance qu'ils glorifient les dieux d'Égypte, dont Pharaon, qui était un imposteur, qui donc a propagé des faux dieux, qui étaient des anges déchus, et lui-même s'est fait Dieu. Voilà, donc c'est une abomination, hein, et c'est une réalité. Alors maintenant, l'ouverture du temple secret, donc, dans le chapitre 2, de la page 12, voilà, nous allons voir maintenant le chapitre 2 de la page 12, quelque chose qui est aussi abominable, hein, donc à savoir que là, tout est secret, en fait. Ils se réunissent, voilà, et tout doit rester secret. Parce que si ces choses-là sortent du temple, automatiquement, il y a des sanctions. Hein, il y a des sanctions. Je ne vais pas citer les sanctions, mais néanmoins, je vais vous lire le chapitre 2 de ce livre, qui est très intéressant pour dénoncer cette secte franc-maçonnique. Le grand potentat donnera un coup de marteau ou sceptre, puis tous les nobles prendront leur siège et les officiers prendront leur poste respectif. Voilà. Le grand potentat dira alors, noble chef Rabban, vous verrez qu'aucun intrus ou espion peuvent impiéter sur les cérémonies de notre travail, sacré du sanctuaire mystique. Et c'est maintenant sur mes ordres que vous invoquerez vos officiers appropriés, qui sont les premiers et deuxièmes maîtres de cérémonie, et de recevoir à notre sanctuaire mystique le mot de passe secret, les disperser avec empressement dans notre temple, de recevoir la même chose de tous ceux qui sont au sein de nos portails, et demander-leur de vous communiquer les mêmes que vous pouvez me donner l'assurance qu'aucun espion ignoble peut ici s'impiéter sur nous. Donc là, ils s'assurent, quand ils ouvrent une cérémonie diabolique, que personne ne entre. Ils ont même des mots de passe, ils ont plein de choses abominables. Hein. Et plus loin, nous lisons que le grand potentat, c'est bien tous les présents de son noble, donc du sanctuaire mystique, de notre temple solidement gardé. Je proclame ce temple régulièrement ouvert aux affaires et à la cérémonie, et par la présente interdit toute confusion et la discorde qui peuvent gâcher nos rites mystiques. Donc ce sont des rites mystiques, ce sont des rites diaboliques qui sont enseignés dans ces ordres, hein, diaboliques ici que vous voyez, avec tous ces dirigeants qui avaient eu, hein, jusque donc, voilà, le logo, nous voyons très très bien ici, hein, la lune avec l'étoile, qui est un grand symbole du drapeau donc, marocain, algérien, etc. Donc, le sabre, hein, voilà, donc il représente donc la force, le djihad aussi, hein, donc en islam donc. Et donc vous voyez que vraiment les origines ne sont pas glorieuses, hein, qu'il y a des collaborations avec les États-Unis qui sont abominables, dont Obama aussi est le dirigeant. Voilà, donc réellement tout ça, hein, voilà, nous avons vu l'ordre, l'origine de l'ordre, à savoir donc comme je l'ai cité, Ali bin Abi Talib, donc Ali donc, qui souvent désigné simplement par son prénom Ali, hein, et donc voilà, hein, une personne rapprochée, selon une tradition Mahomet, le premier personne qui l'a vu, Ali, Mahomet a pris de nouveau-né dans ses mains et l'a nommé Ali qui signifie celui qui est exalté. Voilà.
Il a été quatrième calife de l'islam en 656 à 661. Ali a été le premier imam pour les chiites à l'ascendant du reste des imams. Donc il ouvrit donc justement l'ordre ancien, l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique qui a été institué par un musulman, lui-même Ali. Et donc par la suite, ces francs-maçons sont venus. Et donc, je disais que dans la dernière interview de Malik Obama, issu de la famille de la noblesse d'Arabie du Kenya, voyons ici une image de Obama qui est un Shriners musulman. Voilà, Obama qui a grandi dans la lignée des Shriners et qui donc a reçu l'héritage de ses pères, à savoir la noblesse et une grande fortune. Et nous voyons ici des images et même une interview de Malik Obama, donc les héritiers, donc Obama, qui sont au Niger. Voilà. Et il y a vraiment toute une conspiration derrière. Et l'Europe lui-même est impliquée dans la franc-maçonnerie, dans ses loges mystiques et diaboliques et ésotériques et magiques. Et moi, très bien, au niveau de l'Assemblée, la dernière parution qu'il y a eu suite, malheureusement, aux attentats qu'il y a eu, l'Assemblée a figuré, et nous avons vu ce symbole de Baphomet, qui sont dans le bas-ventre, dans les jambes de Baphomet. Vous voyez ce symbole ici, hein, qui illustre très clairement le côté mystique de la franc-maçonnerie, de l'organisation de l'ordre mondial, pour préparer le nouvel ordre mondial. Et Obama est un personnage clé avec d'autres personnages qui vont venir encore par la suite. Mais eux préparent le nouvel ordre mondial, eux préparent le plan luciférien, le plan diabolique qui a été prémédité, comme je l'ai montré dans la première vidéo, au travers de Albert Pike. Alors bien sûr, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable, nous dit l'Écriture, en 1 Jean chapitre 5 verset 19. Vous qui écoutez ce message, vous ne devez pas ignorer, vous ne devez pas laisser de côté le fait que nous sommes gouvernés, que nous sommes manipulés sur la terre par des méchants, par des hommes qui sont diaboliques, des hommes qui sont satanisés, qui sont sataniques. Mais bien au-delà de ces choses, il y a une chose essentielle que vous devez comprendre, c'est qu'ils vont vous empêcher de venir au Messie qui a été crucifié pour vos péchés et qui a ressuscité des morts. Ce Messie-là, uniquement lui, peut vous sauver. Et c'est vers lui qu'il faut que vous allez pour hériter la vie éternelle. C'est pourquoi je vous dis en vérité, vous qui écoutez ce message, donnez votre vie au Christ. Celui qui a été prophétisé par les prophètes dans les temps jadis, dans les temps anciens, dans la Torah et l'Évangile. Il a accompli ce sacrifice pour vos péchés. Il s'est donné à la crucifixion de la croix, au poteau, il s'est donné pour vos péchés. Mais maintenant, il faut que vous l'acceptiez pour être sauvés. Donc réellement, nous sommes tous pécheurs. Et le monde entier est sous la puissance du diable et sous la puissance du péché. Donc aujourd'hui, il y a le moyen de briser la malédiction du péché, de briser la malédiction du diable. Et ce moyen-là, c'est d'accepter le Christ. Donc je vous invite à faire rapidement ce choix afin d'être sauvé et d'hériter la vie éternelle. Je termine par ces paroles. La Bible nous dit en Jean 3, 16, « Car Dieu, le Créateur, a tant aimé le monde et l'humanité entière qu'il a envoyé le Messie Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas au jugement et soit condamné, mais qu'il ait la vie éternelle par Christ Jésus, si on l'accepte, et que nous nous repentons par l'eau du baptême. » À savoir, dans Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et je ne souhaite à personne, et Dieu aussi ne souhaite que personne ne soit condamné, mais il laisse le choix, il laisse le libre arbitre. Donc c'est à vous maintenant d'accepter le Messie et de reconnaître que nous sommes gouvernés par le malin, malheureusement, sur terre, et que réellement le monde entier est sous la puissance du diable. Et c'est une réalité, et je dénonce cela. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour dénoncer une partie des œuvres ténébreuses. Je ferai une troisième vidéo où je vais dénoncer encore une secte, malheureusement, qui cache beaucoup d'autres. Mais nous allons d'abord rester dans l'ordre des Shriners, qui est un ordre très important, dans lequel Barack Obama est impliqué.
vraiment dans un grade très très élevé, à savoir là, un grade des loges franc-maçonniques Schriners. Il a été décoré récemment, voilà, et nous allons voir donc aussi les Fez, qui est quelque chose de courant dans cette loge, dans cet ordre franc-maçonnique des Schriners, avec le sceau donc de la loge et de l'ordre. Nous voyons que Barack Obama est très impliqué dans les ordres de la franc-maçonnerie. Vous voyez ici le dessin qui est très très bien illustré. L'image ici que vous voyez est une image réelle, hein, où donc vraiment vous pouvez voir ici le rassemblement qui a eu lieu avec la noblesse Adarabi. Barack Obama a été décoré illustre potentat d'Arabie, vous voyez, de la noblesse. Donc il fait partie des ordres des Schriners. Vous voyez ici que le prince d'Arabie, donc le roi d'Arabie, a décoré Obama. Voilà, vous pouvez le voir ici sur ces images, hein, que vous pouvez regarder clairement ici. Voilà, donc il a été reconnu en Arabie, hein, et dans les loges d'Arabie, de la noblesse islamique, donc, que, voilà, formellement, Obama est clairement reconnu. Voilà, un signe de la noblesse d'Arabie maçonnique, hein, des Schriners, c'est qu'ils sont décorés quand ils montent et quand ils entrent dans l'ordre. Voilà. Et ici, nous voyons très clairement que Obama a été décoré comme illustre potentat, donc, et comme, étant dans la loge d'ordre d'Arabie, de la noblesse d'Arabie. Voilà. Donc, ici, vous avez les preuves. Voilà, vous avez les preuves. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Hein, et vous comprendrez très très bien que les loges des Schriners, les loges des Fils du Nil, hein, voilà, sont très clair et que les preuves sont suffisantes, voilà, afin que vous sachiez que vraiment nous sommes, je dirais, conduits et érigés dans le monde entier, que ce soit l'Europe ou l'Amérique, par ces loges qui sont diaboliques et complètement magiques et ésotériques, voilà, et occultes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Venez à Christ. Dans la prochaine vidéo, nous exposerons encore un peu plus de détails au sujet de ces loges. Voilà, ici c'était les loges donc musulmanes d'Arabie. Les francs-maçonniques, donc, qui sont liés, qui sont corrompus, comme vous avez pu le voir. Voilà. Et ce n'est pas étonnant, hein, puisque l'ennemi, Satan, se déguise. Hein, et voilà. Soyez bénis.